Bonjour à tous les amis, c'est Elie, je crois que vous allez tous et tous très bien aujourd'hui. Faut que je me cale, en fait, faut que j'arrête de parler aussi vite parce que sinon je pense qu'à un moment donné je vais arrêter de me faire comprendre par tout le monde qui regarde ces vidéos. Du coup, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour faire une vidéo où on va passer 24 heures en se maquillant, en skincare, t'as capté, maquillage, make-up, routine du visage quoi. En se préparant uniquement avec... des échantillons. Je pense que vous les voyez, ils sont tous derrière moi. Donc il y en a pour le corps, pour les soins du jour, pour le soir aussi, pour la nuit du coup, mais également dans le maquillage. Et donc bien évidemment, qui dit échantillon dit qu'il n'y a pas de blush, de tout ça, etc, etc. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que pour une fois on va voir, en fait, si vous voulez, c'est plein d'échantillons que j'ai ou que maman a, oula, je fais tout tomber. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je ne sais même pas en fait ce qu'il y a, j'ai l'impression de redécouvrir les choses. Là regardez, en fait là il y a des fonds de teint. Je ne sais même pas de quelle marque c'est, mais il y a des fonds de teint. C'est des fonds de teint quand même hein. Bien évidemment je ne vais pas pouvoir tous les utiliser, parce que il y a par exemple là il y a déjà 3 trucs pour le teint. 4, 5, 6, 7, 8. C'est juste impossible de mettre 8 fonds de teint. Je vais du coup dans un premier temps faire ma skincare comme si c'était le matin alors qu'il est clairement 14h30. Ce n'est pas grave, écoutez, j'ai un rendez-vous chez le médecin, donc on va éviter de ressembler à rien du tout, avoir une tête de malade. J'ai un rendez-vous chez le médecin juste pour faire un certificat. Ça, je ne suis pas malade, je vais bien. Donc en fait je trouve ça intéressant parce qu'il y a quand même des lotions, il y a des démaquillants, comment, des laits magiques démaquillants, plein de bébés crèmes, il y a des sérums, waouh, ma voix elle est partie. Il y a des sérums, il y a des trucs de jour, il y a des crèmes pour les pieds s'il vous plaît. Il y a des trucs L'Occitane, Clarence, Dior, Nina Ricci, Nocibé, Clinique. Enfin bref, il y a plein de trucs. Donc écoutez, moi je vous propose qu'on on commence tout de suite. Donc en fait je pense que là on se retrouve, on va faire une skincare ensemble. Oula, waouh. Donc pour commencer, on a une huile comme ça. Enfin en fait on dirait qu'il n'y a rien dedans, mais il y a de l'huile chelou. C'est une huile pour visage qui nourrit, qui apaise et qui illumine. Le seul truc, c'est que je ne sais pas comment est-ce qu'on se sert d'une huile comme celle-là. Je ne sais pas en fait quand est-ce qu'on doit la mettre. Si on doit la mettre avant un sérum, avant je sais pas quoi que ça, parce que c'est quand même une matière grasse et mettre ça sur la peau, en fait on sent lourd du visage, vous voyez, on le sent comme si on avait transpiré je sais pas combien d'années là. Du coup en fait je pense qu'on va mettre ça, histoire que on soit nourri, apaisé et illuminé. Et après, par la suite, on viendra mettre le sérum, comme je fais d'habitude, une crème de jour, puisqu'il fait... il fait jour, mais il fait un temps pourri. Eh, vous avez pas la tête dehors, mais je vous dis, il fait un temps juste horrible. C'est pas grave. Je sais pas si vous avez remarqué, après il y a quand même le montage derrière tout ça, mais je fais quand même des efforts pour essayer de parler sans dire des... du coup, enfin bon, des du coup c'est un peu compliqué, mais... du coup, bref, enfin bref... Faut que j'essaie de faire des efforts, faut que je fournisse des efforts quand même. Est-ce qu'on fait un autre cadre où genre je filme là, mais en fait la dernière fois que j'avais filmé un cadre là-dedans. Mais tellement mon miroir était sale, ça faisait la netteté sur la poussière, tout simplement. Du coup attendez, on va quand même essayer. En vrai on en pense quoi du cadre? Bon, on va enlever ça je pense. Elle est comme ça. Non, en vrai je pense que ça peut être pas mal. Enfin c'est ce que je pense. On va commencer, du coup on a dit, par cette huile de chez Galinée. Du coup je vous la remonte comme ça. Et en fait ça va en mettre de partout. Enfin genre c'est quand même de l'huile. Ah oui 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 bah oui bah... Elle pue, c'est horrible. Ah je me sens grasse d'un coup là. Mais du coup dites moi en commentaire si vous savez comment on se sert des huiles comme ça. Dites moi les bienfaits des huiles comme ça s'il vous plaît. Là je vois pas là pour le moment. Enfin je vais couper la caméra, je vais attendre un petit peu. Je vais aller rincer parce que là je peux plus, là je me sens... J'ai oublié de vous dire, du coup je pense que je vais nettoyer mon visage avec ce gel nettoyant. C'est un gel nettoyant gommant pour le visage de chez Sisley, je sais pas si vous connaissez. Du coup on va nettoyer ma peau avec ce gel nettoyant gommant. Les gars je suis de retour. Est-ce que je peux vous dire que ça a bien marché l'huile? J'ai l'impression, très très honnêtement, que ma peau elle est de fou hydratée. Elle est pas sèche du tout là ma peau, elle est pas grasse non plus, elle est... C'est incroyable! Ou je sais pas si c'est le gommage en fait qui a trop bien gommé et du coup ça a fait incruster l'huile dans mes pores.
J'ai vraiment trop une vie. Là, on va continuer. Après, j'ai deux soins du jour. Enfin, j'en ai plus. Mais de ce que je vois là sous mes yeux, j'en ai deux. Donc, un de chez Clarins et une crème hydratante de chez Sephora. Celle de chez Sephora, on la connaît tous. Je pense que je vais partir sur celle de chez Clarins. Et là, il y en a une autre de chez Clarins qui est crème de jour éclat vitaminée fermeté anti-rides de toute peau. Qui est orange. Ah oui! Donc on a une orange et une blanche. Vous savez quoi? On va faire un côté différent de l'autre. On va utiliser pas les mêmes produits pour chaque côté. Donc là on va mettre cette crème là. Qui sent plutôt bon. Mais j'ai pas dosé la crème là. Aïe, mais je sais pas doser. Elle sent vraiment super bon. Et du coup de l'autre côté, l'autre crème. Mais je sais, j'ai un problème de dosage avec les crèmes je crois. Elle sent plutôt bon aussi. J'ai complètement oublié de mettre la lotion tonique de chez Dior. Mais je pense que soit je la mettrai ce soir, soit je la mettrai demain matin. Mais écoutez, je pense que là on est vraiment bien parti pour une hydratation au max. J'ai l'impression d'avoir une peau très glowy et tout. J'aime très très fort, j'adore, je surkiffe. Après vous savez quoi, j'ai oublié de mettre une... Si là j'ai mis une crème, j'aurais dû mettre un sérum. Parce que si je me trompe pas, de mettre un sérum avant la crème, ça permet d'ouvrir je ne sais pas quoi sur la peau. Et ça permet de plus faire... comment appliquer les bienfaits de la crème. Après du coup je pense qu'on va partir sur une crème pour les yeux de chez Guerlain, l'abeille royale. Je pense qu'on connaît tous cette crème qui coûte super cher. Voilà. Et donc là on va mettre celui-là sur les yeux. Ça sent pas super méga bon hein. Ok, tac, tac. Waouh, ça fait beaucoup de crème pour le contour des yeux là. Ouh, ça c'est le contour du visage à ce point là. Je vais me sentir trop hydratée pour le coup là. Waouh. Et donc ça c'est une crème pour les multirides. Quoi ? Il en reste quand même sacrément beaucoup pour juste des yeux. Donc écoutez, j'en garderai pour la prochaine fois parce que là ça me... elle a l'air de me plaire cette crème. Regardez au fait genre de chez L'Occitane, on a eu un mini pot comme ça. C'est trop chou. Vous savez quoi, en fait ça me dérange même pas genre d'aller chez le médecin comme ça parce que là j'ai l'impression d'être hydratée, d'être hyper glowy là. Écoutez, je pense qu'on arrête là niveau soins. Là je vais continuer du coup je vais mettre bah, un fond de teint, une bébé crème, enfin je sais pas trop. Et par la suite, non je sais. Écoutez, comme en fait j'ai trop de sérum et que là en fait j'ai beaucoup trop de fond de teint, je vais prendre un sérum au pif. Par exemple voilà, on va prendre le sérum de chez Nocibé et je vais le mélanger avec un fond de teint pour que moi ça fasse un fond de teint plus léger et qui en même temps aura des bienfaits. Le sérum déjà il sent très très bon et donc je pense qu'on va prendre celui de chez Clinique. Ok, et hop là le sérum... Oh, j'en mets de partout les gars, c'est n'importe quoi. Écoutez, on va vite étaler je pense. C'est grave pas ma teinte. Attendez, je pense que je vais aller me laver les mains et je vais rajouter autre chose d'une autre teinte parce que là c'est beaucoup trop foncé là. Je sais pas si vous voyez, mais là c'est pas possible. Je suis en train d'en mettre de partout. Oh, mon bureau. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir un peu plus confiance sur celui de chez Nocibé. Donc on va essayer aussi, on a rien à perdre. On va recommencer. Ah, ça me convient mieux. Après j'ai pas vu sur ma peau. On va reprendre un petit peu de sérum, on va mélanger un petit peu doucement. Mais là on a un mélange comme ça. Je sais pas si vous voyez mais ça a l'air d'être déjà un peu... je sais pas en fait. Bon écoutez, en vrai regardez, on va faire comme ça. Les deux mélangés, au pire on va dire que ça devrait le faire. On espère que c'est pas trop... genre couvrant. En fait, j'aime pas ce côté lourd sur le visage. Et là, pour une fois, on va étaler au pinceau. On en parle que genre c'est trop beau. Je suis choquée parce qu'en fait, les deux mélangés, c'était genre un truc incroyable. Non mais c'est vrai. Bon par contre, c'est très... c'est couvrant. Genre, on dirait pas, mais c'est très très couvrant. En vrai de vrai, je trouve pas que genre il y a une grosse démarcation. Mais parce qu'en vrai, il y a vraiment pire. Je suis quand même contente. Bah du coup, je vais rester comme ça toute la journée. Je vais au moins me brosser les sourcils parce que bah du coup je peux pas me les plaquer. Je peux pas, c'est... voilà, j'ai pas de truc pour plaquer les sourcils dans les échantillons. Je vais rester comme ça, je vais aller chez le médecin comme ça. Ce soir je vais me laver et après je vais mettre une crème pour le corps, pour les pieds. Voilà, je vais enlever là le fond de teint que ça m'a mis sur les lèvres parce que j'aime pas du tout. Mais je trouve que j'ai un teint très glowy et moi ça me convient parfaitement. Écoutez, du coup on se retrouve ce soir pour une nouvelle skincare et demain matin pour un nouveau maquillage. En mode le cadre est bancal. On ferme la porte, on va allumer les LED. Voilà. Les amis, bon il y a mes cours là parce que bah, j'ai travaillé, vous m'excuserez. Mais j'ai failli en fait aller me laver comme ça alors que j'avais complètement zappé que j'étais en train de faire une vidéo. Déjà sachez que là mes cheveux ils me tendent parce que vous avez vu comme c'est trop moche. Genre en fait, pour vous expliquer un petit peu, je dois éviter tous les trucs en mode lisseur, boucleur, plaquage, tresse.
pour éviter de les abîmer. Ça, là, j'ai une pince. Je, voilà. Bon, les ongles commencent à être un peu gras. Je vais aller les laver. Pour ça, faut que j'utilise des produits que j'ai moi. Je vais pas prendre des échantillons. Et donc, j'ai quand même deux crèmes L'Occitane pour le corps pour après. Et chaque jour après ma douche, je mets la crème de chez Drunk Elephant qui est incroyablement bien et qui sent surtout incroyablement bon. Juste avant qu'on aille se laver, enfin que je vais aller me laver, je vous avais pas vous laver avec moi, je pense que je vais me nettoyer la peau. Et du coup, je vais prendre ce lait magique démaquillant. Visage et yeux. Et yeux. Et yeux. Et yeux. Si on fait de la liaison, ça fait et yeux, pas et yeux. Et yeux. C'est chelou hein, quand même l'affaire. Bon parce qu'en fait c'est très bizarre, genre ça fait... c'est comme une lotion sauf que là c'est un lait qui démaquille et qui est surtout magique. Donc écoutez, je vais déjà aller me démaquiller. Je vous dirai ce que j'en pense après ma douche. Et voilà, on se retrouve pour ma skincare juste après. Bichour, les gens, attendez, faut que je trouve un truc... ma culotte sur le truc. Il faut que je trouve un truc pour m'attacher les cheveux. C'est bon, je suis sortie de ma douche. En tout cas... pardon, reprenons les choses sérieusement. Qu'est-ce que nous avons pour ce soir? Nous avons ce sérum de nuit. Je l'ai en 4 fois comme ça là. Et je l'ai en une fois en truc comme ça. C'est trop bizarre. En fait c'est un truc comme ça. Et genre on ouvre par là. Je pense qu'on va commencer par ce sérum. C'est parti hein, on y va. Hein. Ok. C'est vraiment la pile poil la bonne dose là qu'ils ont mis. Waouh, je me sens... je me sens hydratée d'un coup là. Hein. J'ai oublié de mettre une lotion tonique avant. C'est pas grave. Après, Après, j'ai une crème de chez Clarins. En fait, on dirait que c'est les mêmes. Mais il y en a une, c'est écrit jour et l'autre, c'est écrit nuit. Qu'on va mettre celle pour la nuit, du coup, je pense, logiquement. Venez, avant, on met ce petit tutu que j'ai de chez Dior. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est genre... genre, c'est un truc comme ça. Une crème lissante jeunesse. Allons-y. La crème pue, c'est horrible. Ah ouais, elle pue beaucoup là. J'espère la crème Clarins, elle sent bon pour finir en douceur. Je pense que juste avant, je mets une crème pour les yeux. Je crois que j'en ai encore une. C'est ça. C'est un soin concentré anti-ride intense pour les yeux. De chez Strivectin, Vectin, je sais pas. Voilà. Je sais pas si vous connaissez ou pas. J'ai oublié de mettre ma crème pour la nuit là. Ça vraiment, ça je crois on l'a eu récemment si je me trompe pas. Ok, bon déjà on va en mettre là. Allez, on va s'arrêter là, hein. Là j'en ai beaucoup trop déjà. Tranquille. Oh, non mais j'aurais jamais su doser là durant cette vidéo. Oh là là, c'est abusif, j'ai rien pour m'essuyer en plus là parce que là j'ai limite envie de me renettoyer le visage là. Et ben je respire l'hydratation. Waouh, même mes mains là elles en peuvent plus là. Bon les dernières choses. C'est un truc qui paillette. C'est un truc qui brille hein. C'est pas le moment de briller là pour aller dormir. Ah oui, mais ça fait un teint glowy ça, j'aurais dû le mettre demain ça mon copain. J'en peux plus l'hydratation là. Non bah elle sent pas vraiment plus. Bon là, je suis comme ça, juste pour le côté glowy là. Waouh. En fait je suis à droite genre de laisser poser et de nettoyer après. On va laisser ça comme ça et je vous fais des bisous. On se retrouve demain pour un nouveau make-up et le soir pour un autre démaquillage. Allez bonne nuit, à demain. Les amis, j'espère que bah du coup vous allez toujours aussi bien. Moi du coup je viens d'aller courir sur ça là en direct. J'ai pas couru dans mon lit. Je suis quand même sortie dehors. Mais du coup, écoutez tout ça pour vous dire là je vais bah aller me laver peut-être quand même. Mais du coup sous la douche je vais me nettoyer le visage parce que là je suis toute crasseuse. Du coup je vais prendre le nettoyant. Je sais pas encore lequel. J'ai encore tout ça. On va prendre du coup ce gel nettoyant démaquillant de chez Nuxe. Sur ce, je vais me laver. Je vous fais des bisous tout de suite. Les gens, je suis en peignoir. Bah oui, bah logique. C'est bon, je suis sortie de la douche. J'ai fait le nettoyant. J'aime pas l'odeur, mais il nettoie très bien. Du coup, je pense qu'en fait, on va faire ici. Parce que un peu flemme de faire encore dans le même cadre. Et en plus, mon bureau, il est en bazar. Déjà, attendez, on va mettre les LED. J'ai fait un waouh. J'arrive, hein, vous inquiétez pas. J'ai une crème rose révélatrice d'éclat de chez Lancôme. Voilà. Et on va mélanger avec une crème de jour anti-ride. De chez Elemis. Oh bah il y a un petit tutu. En mode dentifrice ou... non, je vais d'abord mettre ça parce qu'il y a un truc qui me dit que je vais galérer à l'ouvrir genre. Ok, c'est rose. On va y mettre avec ça. Ça c'est blanc. Ça peut faire un bon mélange je pense. Ça fait une petite crème rose comme ça.
Ma peau, on dirait, elle est toute, toute nette, toute lisse et tout. Mais pas du tout. C'est pas ça en vrai, les gars. En fait, genre, ça fait comme un filtre beauté bizarre, la caméra. J'ai pas la peau aussi lisse, hein. J'ai des boutons, hein. Après, on va mettre une petite crème de jour. Mais pas du tout. Une crème pour les yeux, c'est ce que je viens de mettre, une crème de jour. Juste avant, en fait, regardez, j'ai une crème liftante qui redessine, qui lisse et qui raffermit. Donc, on va se lisser. Je vais me redessiner là. J'ai une très forte envie de me redessiner là. Ça se voit, j'ai envie de sortir mes crayons là, carrément. Papier crayon. Mais doucement, Léa. Il y en a en fait des échantillons. Les doses sont très importantes. Il y en a pas. Elles sont bizarres. Vous êtes sûr que c'est une crème raffermissante là? Je sens le produit chimique là. Non mais c'est bizarre. C'est rafraîchissant. Genre là tu fais ça, je suis en train de congeler là. Mais en vrai de vrai c'est pas mal. Passons juste bah du coup au teint. On va mettre du coup un fond de teint. Et j'avais dit hier que j'allais mélanger un bout de sérum. Enfin un bout, un reste de sérum qui me restait d'hier je crois. Voilà le sérum Nocibé. Je sais pas s'il en reste dedans. Mais là il me reste soit le fond de teint de chez Nina Ricci. C'est pour un teint clair. Soit il me reste celui de chez Dior, mais je sais tout de suite que c'est pas ma teinte. J'ai regardé et c'est beaucoup trop foncé. À moins que... Bon allez, on va essayer ça, écoute. J'espère que vous entendez pas, mais il y a quelqu'un qui est en train de chanter. Ouh, c'est pas bon pour les oreilles, ça. Ah ouais, carrément, il montre comment le mettre et tout. Donc en gros, normalement, j'ai la teinte 30. C'est celle sur laquelle il y a mon doigt, là. Trop foncé ou... On est parti pour être orange ou... Non, moi, genre, je pense que si j'en mets juste un tout petit peu et que je mets un petit peu de sérum, il reste un petit peu, c'est parfait. Je pense que genre si je mélange... Beaucoup trop foncé. Venez, on mélange le truc d'hier de chez Nocibé. Non, on prend notre. Genre là, on prend le truc clair. Je sais absolument pas de chez qui ça vient. J'ai ça comme ça, faut pas me demander. Là, je sais pas trop. Et là, en vrai, je pense, si on mélange. J'en ai pas marre, genre, de mes mélanges là depuis hier. Bah écoutez, je pense qu'on a un truc. Oh là là, c'est limite trop clair. Écoutez, on va étaler ça. Il faut un miroir peut-être. En vrai, ça donne un petit teint glowy, je pense. Bon, écoute, on va laisser comme ça. Du coup, écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaie de me préparer avec vous uniquement qu'avec des échantillons. J'y suis arrivée. C'était... Bah là, du coup, je me sens... Je sais pas, enfin c'est bizarre. En tout cas, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, surtout à vous abonner. À très vite pour prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. J'ai oublié de faire la transition tout à l'heure. Oh là là, je suis vraiment nulle.